Salam alaikum warit, salam alaikum sunu mbokk internet yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen jox sen waccu way tay nak dañu am invité spécial fi ci Reuy TV ñu ngi am docteur Diallo di wax ni rek ba lañu xous dem ci sunu waxtaan dañ koy bayyi mu nuyo su ko defé mu présenter wu rek ñu yaatal ak mom inshallah. Awa salam alaikum présentation bi ndax jarnako da yakar nañ waré yépp xamanté nañ bu baax ndax ku nek dans une structure nga xamni membre fondateur nga ci bok depuis 2004 2007 ñu def le fou président jusqu'en 2019 je crois que ñi ci biir ñep xamanté nañ benen bi également xamel bi day nek ci bo nek ci ben activité ci sambi di ci fajj di ci yëngu depuis 1994 ba légui je crois que yag na donc man ak wa éleveur ci ci xamanté nañu présentation bi dal yakarna ni bon lool mo ci gëna ki jërëjëf docteur amna solo ndax ci instant yi daño ku yokul ya wañi ndax li yépp bu yaato yeen la ndax tollu nañ ci am chaîne bo xamanteni danaka télévision lañu bëgg mu doon ko teyit ties ken dotu le présenter mu nek lo xamanteni lu yaatu la danaka aduna bi yep legui ñoñuy sétane ci suñu chaîne YouTube bi nga xamni mom lañu am di wax ne rek docteur tay ji dañu indi ben affaire tek ko ci table bi muy les maladies osseuses teyit ñun suñu xam xam bari wu ci te yow spécialiste nga ci lolu suñu sañon tay ngay ubbil ñu ci thème bu yaatu rek su ko defé nga waxtanel ñuko tay lolu moy suñu djublu émission tay waaw xamoo bu le ñi ngi saytu ben tawat rek ci jur bi en général dañuy set li nga xamni mom mo eppal solo éleveur yi bu bëggé jël nga def round le tour de la question sur pathologie osseuse yi je crois que dina dem ba nurulu amul intérêt mais li jaaxal éleveur yi à mon sens li leen gëna jaaxal mom moy déformation au niveau des membres qu'est-ce qui peut être à l'origine des déformations au niveau des membres donc lolu je crois que mën nañ ko waxtané lan moko waral naka lañ def ba fagaru ci naka lañ def ba prévenir moi je crois que sax li ci upp prévention bi mom mo upp solo que traitement bi que thérapeutique bi jerejeuf docteur ni nga ubbé émission bi ma sha Allah légui nak dañ lay bayyi rek suko défé nga daal di développer suko défé wan ñu rek fan lañ ci jaar lo mi nga xamni suñu xel sa xel ma sha Allah ci lolu la match ñun ñi nga xamni ay journaliste rek la ñu ci affaireu xar té yow yalla dogal ni loolu nga jang tay ji rek suñu sañon nga baxé ñi ci lu bare bare su ko défé ñu yobul ko suñu télé suñu mbokk téléspectateurs yi ak internet yi inshallah waaw loolu li ci mëna yok rek mom moy facteur di mu doon les pat yi ñu wax cagne wala mu panar panardis muy rinki wala mu weng ci ben côté loolu problème la ci élevage bi actuellement ndax ben boudé ni xar bi peut-être dang koy utiliser pour la tabaski n'est-ce pas difformité bobu dina mëna borom xam xam bu ci waxtane peut-être mëna dem ba xar bi doko mëna utiliser pour tabaski wén difor ben handicap bi xam nga à un certain niveau lolu également ñi nga xam ni sen xel xam xam wacc na ci lolu mëna ci yëkëti sen cadre ci ban niveau de difformité ou de handicap moy mëna empêcher xar bi dootik mëna utiliser soit pour tabaski soit pour ngendé donc lolu aussi problème la bo gissé tankuy dëngi ni mu bëré légui amna ay jamono bëré wu lon nonu donc actuellement c'est fréquence dafa gëna bëri man lima koy mëna expliquer rek mom moy les éleveurs aujourd'hui ne sont pas sélectifs par rapport ak aplomb yi par rapport ak attitude yi donc c'est le but aplomb moy bu tanki bu taxawé n'est-ce pas aplomb moy tanki attitude moy numuy taxaw numuy taxawé donc ils sont pas très sélectifs la sélection bi dal leni pousser d'abord ñu def sélection ci génétique top papa ji top yaay ji etc légui bu topé papa ji top yaay bi xar bi bu jiddo nu mu mëna mel rek dañ ko utiliser comme géniteur benen bi également ñu top mensuration li xar bi aussi bu dé amna ay mesure yu extraordinaire malgré que amna difformité
donc dañ ko utiliser comme géniteur légui cause difformité yoyu bi ci ëpp à mon sens ndax mesurer wuñ ko defuñu ci aussi ay saytu bu lèr mais bi ci ëpp à mon sens c'est d'origine héréditaire lo xamni dañ koy donn donc amna ci une faible ben faible buñ wax la dyschondroplasie héréditaire donc une mauvaise qualité du cartilage ndax yakh bi au départ amuy dakh yakh consolidé wu cartilage lay don bo xolé les animaux ou les humains sen croissance ci yakh bi les os longs c'est au niveau de des cartilages de conjugaison ñu nek ci bop bi donc fofu soudé wul bu nek xalé du soudé donc fofu lay mag donc avec l'âge bu mag bi jeex donc fofu consolidé wu mag bi daldi arrêté donc bu amé un défaut à ce niveau là xar bi buy mag mu na jël benen direction bu bokul ak la direction normale donc lolu aussi cause la bo xamné war nañ ko xam et cause bi pour mën ko prévenir c'est de ne pas utiliser les animaux yu handicapés dans la reproduction bu dé bëgg nañu plus tard ñu am xar yu nga xamné duñu am handicap mën nañu génné xar yoyu dans la reproduction certes on dit aujourd'hui ñi né xar yi sen croissance bu gaaw bi mom mo tax difformité yoyu di am lolu aussi mën nañ ci poser ay questions on peut se poser des questions ndax jamono numu yagoon jamono bu yag éleveur yi sen xari da nañ gaaw mag même buñu waxé ni xar yu ñëkki xar yu légui ñoo leen ëpp lolu dëgg la mais xar yu ñëkki aussi dañ daan impression dañ daan gaaw mag n'est-ce pas amna ben ki en 92 je crois moy ñëk dem kër jaawra fekk fa Mansour ben kuy bu mu joxone Djibi Wade mom mako juroon n'est-ce pas mu tudé won ko Fadam voilà Mansour bang koy fekk à 3 mois ou 4 mois presque xam mok yaaji xawa tollu bu suppu di nam mok yaaji ñoo xawa tollu et le phénomène n'était pas aussi accentué di nga gis famille xari yu nga xamni ay famille de mouton yo xam mën nga ko top danako do ci gis handicap par contre di nga gis yenen famille xar yo xamni peut-être 1 sur 3 da nga gis xari lagui donc limay ci bunu netti rek mom moy dem ci yalla pa ma siga yalla nako yalla yeureum amna ben jamono mu jënd boursine papa jox am moment donné fi won nako momon nako boursine ak ben femelle bu juddo won yakarna ci galu ndjay fa la juddo tafa cham mom ko bako tafa cham di jaay sax xamna il avait un peu senti que ni xar bi boursine tank bi mi ngi commencé di deung mu jox ko ben gendarme bobu jaay ko pa mosiga legui bam ko jaayé xar bi tank bi finalement dafa jël mel luy ubéku ni finalement tank bi djup bamuy mag tank bi djup mu am ben génération mboté matna 5 matna 6 mais presque genn wal gi yépp dañu am tank yu dëng excusez bamu wo ma di wax ma lima jaaxal sama xari sen tank yi dafa dañuy limuy dëng dafa bari donc lool woné né ndax kuy bi mu ñëkkona am amone yenen kuy mais ci fin élevage kuy bu amone mu tudde kon Ricardo waaw Ricardo ben femelle bu ko fi joxone tafa cham mu bolé ko ak malam bi mu amone mu jur Ricardo xaram yoy da naka do fu ñu fekk fa xar bu tank bi dëng mais ak boursine pratiquement fofu la commencé xar yu ñëkke aussi historiquement gañ duñu la netali ba nga gis ci ay photo xar yo xamni tank dafa dëng donc bari wu ci donc le côté héréditaire mom immanquablement amna ci benen bi dul côté héréditaire bi alimentation bi mën na ci jouer alimentation mën na ci jouer c'est vrai que xar bi bu dé mi ngi mag da fay am ay besoin yi yakh bi deugereugul bu besoin yi satisfaire wuñu ko les besoins ne sont pas satisfaits surtout les besoins en minéraux en calcium en vitamine D satisfaire wuñu ko c'est vrai que mën na accentuer
caractère bo nga xamni peut-être mi ngi won ci xar yi mëna ko accentuer mëna indi des déformations au niveau des os. Donc un aliment qui n'est pas équilibré en vitamines et en minéraux peut entraîner un problème au niveau des os. Benen élément bi également mom moy une alimentation très énergétique bo xam dafa bari glucidique dafa bari ay céréales, n'est-ce pas? Bob day entraîner une acidose chronique. Ça peut entraîner une acidose chronique. Acidose chronique bobu manam day dem ba melni acide mom mo nek ci yaramu xar bi yep tout le temps. Acidose chronique day dem au niveau musculaire, day entraîner aussi généralement des douleurs au niveau des pieds. Parfois mo ne dem ba entraîner ben phénomène buñ wax la fourbure nga xamni tanki xar mi sa doot ko meuna tegati. Donc tegandaay bu bonne bobu nga xamni mom lay xar bi di tek tank bi bu yagge day top non mu ko don tege non mu ko don tege pour don exemple rek ba ngeen dem fele ci ki bi fele bergerie bi ba gañu ñoy di vacciner fofu fekk nañ fu ben xar probablement bu am hypocalcémie ndax day dogu jur tawam la am problème mu taxaw ba ben tank bi sax mu commencé ko di bank mais comme degeurul barki dem dañ ko platéré wat délo wat ko place mu mën ko tabax donc amna yenn déformation yi nga xam bu dé mi ngi def ci xar bi le platage mën nañ ko platrage mën nañ ko plat fixer ko boko fixer avec le temps mën na dañ donc benen pour régler problème bobu je crois qu'il faut régler problème alimentation bi ndax mom lay provanjé di wax bu dé yow mënu défal sa formulation bop ndax on peut faire une formulation bu baax de qualité pour say xar mais bo mënul formuler bu baax xar yi ci période sensible bi il est préférable nga wut un aliment complet nga jox len ko ba paré bu laajé nga defon ko ay tolenti ay doli mom mo gën nga def un aliment bu nga xamni c'est pas équilibré en général aliment ñi mélanger li ci gëna bëri c'est un peu pour l'engraissement et non pour la croissance donc lool yépp aussi da fay am solo bu len xar bi mi ngi nek ci phase de croissance c'est préférable nga sét un aliment de qualité pour répondre à toutes les données de la formulation pour nga mëna éviter lool benen bi également mom moy acidose bobu fourbure bobu mëna entraîner des douleurs au niveau articulaire ci articulation surtout ci souf tank bi da ngi gis ni fofu da fay metti là également du doy rek nga défal ko ay minéraux ak ay calcium day doy aussi nga soulager ko par rapport ak douleur bobu lolu aussi benen phénomène bu mëna déformer tank bi c'est les ongles xam nga bu dé xari dox ci all bi il y a une certaine érosion de manière naturelle des ongles sen wé yi du guddou mais xari bu nek de manière statique ongles yi day am tendance di développer excessivement développement bobu nak day indi day entraîner des problèmes d'aplomb taxaway bi du bax tank bi commencé di déformer donc yoyu yep buñ ko sayto je crois que mom moy indi tank yi nga xamni dafa deug ben bi mom moy walu hérédité c'est sûr ben bi mom moy walu alimentation ben bi mom moy l'entretien des ongles c'est important benen bi également la qualité de la litière budéni sol bi baxul xar bi il n'est pas à l'aise bu ci nekké n'est-ce pas yoyep mën na impacter entraîner des douleurs yu mëna entraîner lool même yenn infection yi mën na entraîner des déformations bo amé un piétin le piétin peut être à l'origine de douleurs au niveau des pieds qui peut à la longue entraîner des déformations au niveau des pattes. Jerejeuf docteur machallah di wax ni rek li nga ñu indil ci maladie osseuse amna solo ndax li rek lañ doon xaar ci yow duñu guddal nak waye docteur ñu tuddé la ben foire bu am solo wa atepa bi teet di la laaj say impression ban yeg nga am ñom biñu ñëwé ba ci yow né dañ la tuddé foire bi ban yeg nga ci lool xamna mom moy ñom bëgg nañu dello mu ñukkel comme on dit li gañ wax dello nit ñukkel lolu ci yeg ñom biñ ko yeg rek non la koy intégrer
non la koy intégrer ndax nit ciir bi mu am peut-être de manière naturelle n'est-ce pas mom lay diké ci mom donc ñu tuddé la sabar bek langue bek yoyep ben la donc buñ fi diké c'est que je leur ai dit que ni bon que je sois le parrain que je sois pas le parrain yef bi sama yef la ndax ba ngeen andi diko sos mettre sur place donc man ak yeen ñoo andone ñu taxawal ko tay bu len démé bané ah yow kat lañu tuddé mbir mi bon lu may def ba xamni yeen ci sen bëgg mom moy kat li may leen defal contane ngeen ba ngeen mën mako ciérélé n'est-ce pas mais ciér bobu lu may def lu nang ko ta xamni buñ mako tuddé won ak buñ mako tuddé won ñu taxaway bi lima war mom moy ma taxaw ci bép organisation bo xamni ñom ñing koy def budul ñomit muy yenen amna bër ki dem ku fi ñew ni ma da bu bëggoon tuddé la ci ay ki affaireu jang man nak xam mo nek fep mom day compliqué n'est-ce pas légui na bayyi borom jang yi ñu lijeenti seen jang man ma lijeenti sama ay sam voilà légui et les trucs comment on appelle et les moutons sont bien gardés donc ni nek fep mom bu yalla rek mom mako mën mais ci walu élevage buñ ma fa wowe ak buñ ma fa wowul yépp je serai présent parce que nit ki mbeubet bi muy am à un moment donné nga def ci 30 ans ou luko djégué ba luko upp tu te sens que yow dafa melni dafa fi dara ndax nit ki la ngay def dafa war nga gis li kat djugé na fi dem na feulé ci lo xamni day doon jariñu ñi koy def mais également jariñu dëkk bi loolu mom buñ waxante deug rek kenn man bok defaguma fi lu mel nonu budé amna ñu ko fi defit du def bo xamni vraiment mën nañ ci tek loxo donc il faudra que ensemble jeune moins jeune ancien ñi ci nek ñep ak population bi yep ñu def li yitté pour mëna impacter le développement local et même national ñu mën ko impacter mën nañ ko à travers l'élevage mën nañ ko à travers aussi pou nek secteur bi nga nek je crois que mën nañ ko ñun nak je crois on a bëgg bobu lañu am bien que jafé na pour def ko n'est-ce pas ndax buñu mënuñu ben nat ci walu élevage mënuñu def ben statistique mënuñu ko wax ni li ci bopam impact nañ ko ci donc lool yépp aussi budé amna nga xamni on est à mi-chemin e gogoñu ci cëppandaw jërëjëf docteur di rafetlu kaddu yi nga yëkëti mu melni rek buñ la tuddé foire bi dafa melni tuddé wuñ ko docteur parce que ñu bari nénañu tuddé buñ ko tuddé docteur ñom lañ ko tuddé ndax kenn du leen ci jitu lu waral lool engagement bi ndax docteur nek na ko xamanteni aussi à travers les réseaux sociaux toujours mi ngi dimbali élevage thiès docteur aussi nek na ko xamanteni peut-être du docteur vétérinaire rek yam ci momit cham la wa docteur ban relation rek boñu ko mëné teunkal nga am ak cham gi ma nga xamni ben xar réru la non nan nga ko toggé ba nga xamni ben xar réru la amna xar yu bëri yu ma rër légui amana nak bañuy door xar yu bëri xamna len ndax liko def mom moy nit ki sama bëgg sam mo jitu sama bëgg métier mom moko jitu danak may am 8 ans ci la ñëk am ganar 8 ans jusqu'à maintenant ken xamul ba may nek 4e secondaire man ak canari ak ganari on vivait pratiquement ensemble keur ga bok bo fa dugon poulailler la leg lay rendre compte ni je faisais beaucoup de tort ak sam wa keur ndax ken dou lal canari ci bir keur gi lañuy dugg buñu añ dañuy dugg ci presque ci bir boli voilà donc lolu boko magalé c'est vrai que tu es plus du monde de l'élevage que du monde de métier bi nga mëna nek benen bi ñeneen ñi buñu waxé ni sen yëf la et c'est vrai ndax tamit man ci gis monde éleveur yi la buñ ma tuddé mbir bëgg na mu réussir mu am succès buma ci sama mbokk éleveur yëp ñoo fekk sé pour jëmmal ko pour def ko réussite pour que ëlëk ñu war né di ko buñ ko tuddé ki bi amna vraiment succès wa dama ci contane diko rafetlu len ci wo yeen wa reet
yeen groupe yépp ñi toog di waxtaanal ngeen ñëw.